Le bête mâle est une pâte pressée non cuite, issue donc d'un lait cru de vache, qui est produit dans les Pyrénées. La particularité, au niveau gustatif, on va avoir quelque chose de très onctueux, de velouté, de crémeux. La pâte qui est ajourée, donc avec des petites bulles d'air, va apporter aussi ce caractère très tendre. On a un fromage qui a de la personnalité, un caractère de cave aussi, ce côté un peu humus. On a beaucoup de velouté et de gras en bouche. Donc au niveau des accords, il va falloir de l'opulence, du gras, de la rondeur et un vin qui aura de la personnalité. Pour moi, c'est la Roussanne, notamment d'une appellation superbe qui est la région d'Hermitage, donc un Hermitage blanc, qui va apporter la puissance suffisante, qui va avoir en même temps cette petite fraîcheur, ce caractère un petit peu percutant et minéral, qui fonctionneront à merveille. On a aussi une originalité en allant chercher un petit peu d'amère dans certains cépages, comme un vin autrichien qui s'appelle le Grüner Veltliner, qui fonctionnera très bien, où là, cette petite notion légèrement d'amère sera enrobée et fondue par le gras du fromage. Pour rester dans cette continuité d'accords un peu originaux, j'aurais tendance à le servir aussi avec une bière, notamment une bière blonde, qui aura un tout petit peu d'amère, mais sans trop, pour avoir vraiment pour moi un accord qui sera très intéressant.